Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Le patrimoine réunionnais et ses artistes sont parfois méconnus. Pour nous permettre de les découvrir ou de les redécouvrir, le département a eu l'idée originale de créer des résidences d'artistes au sein de 9 bâtiments représentatifs du patrimoine culturel réunionnais. Un projet innovant nommé Patrimoine et Création qui vise à donner de la visibilité et enrichir l'offre culturelle, soutenir la création artistique tout en partageant avec le public à travers la création d'œuvres. Le projet Patrimoine et Création est né cette année. Le département a reçu plus d'une quarantaine de projets. 10 ont été retenus et associés à une dizaine d'établissements parmi les plus prestigieux de l'île. Là, ce que je suis en train de faire, c'est faire quelques illustrations autour du café Bourbon Pointu, une plante qu'on retrouve dans les jardins créoles, en fait, mais de moins en moins, malheureusement. Nicolas Lomagno est l'un des 10 candidats dont le projet artistique, intitulé Carnet de voyage, a été sélectionné. Le but, c'est de faire quelque chose d'artistique autour de ces espèces-là. Ce qui est avantageux, en fait, c'est d'avoir accès à une partie de leur connaissance, la richesse, en fait, du lieu, quoi. Il y a un gros travail de conservation qui est fait, un travail historique aussi. En fait, en replongeant dans les vieux récits, les vieilles planches d'herbier, la documentation en fait qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, je peux faire une valorisation de ces espèces qui sont certaines en train de disparaître ou inexploitées ou qui deviennent bientôt inexistantes en fait sur le territoire. Sa résidence au jardin botanique des Mascarins lui permet d'avoir accès à tous les savoirs que renferme le lieu, à commencer par sa mémoire vivante. On a besoin de savoir c'est quoi le nom scientifique du manioc, mais ça nous mange. Le nom scientifique c'est Manio esculenta. L'artiste se renseigne, étudie, s'inspire des explications des botanistes du jardin, mais il doit aussi observer pour transmettre au public. Et pour cela, il a aussi accès à l'herbier de l'établissement. C'est la caverne d'Ali Baba ici, Timidio Pandro de Takamaka. Ça va dans le Calophyllum Takamaka. Une base de travail immensément précieuse, puisqu'elle recèle tous les trésors endémiques et indigènes de la flore locale. Quelque chose de fragile. De fragile, voilà. D'accord. Vous en avez plusieurs à recenser ces bonnes espèces-là et à composer toutes les herbiers que l'on a ici, en fait. Ça, c'est référent mondial, quoi. C'est la référence mondiale. Et nous, c'est un herbier de travail. Vous avez une grande chance de travailler avec Zot, alors. Ouais. les plaisirs, les plaisirs aussi, pareil, les partager, hein, parce que bon, nous, il y a tout le monde passionné comme ça. Hein. Ah oui. Et en plus, la passion, c'est notre métier aussi en même temps. Il va ensuite aller à la rencontre de son sujet de création en pleine nature, dessiner, croquer ses observations pour ensuite mieux les partager. Un moyen pour Nicolas de renouer avec ses racines. J'ai beaucoup de choses que j'ai pu emmagasiner, que ce soit au Canada ou en Australie ou en métropole. Je connais plus ces régions-là que la Réunion. Et c'est de là qu'est née l'idée Carnet de voyage. On va faire des médiations, des rencontres, des échanges, des discussions sur qu'est-ce qu'un jardin créole, pourquoi on a telles espèces dans le coin d'un jardin et on les retrouve pas ailleurs. Après, on va faire un travail sur les personnes porteurs de handicap au niveau du travail de la terre, des outils, la manipulation. En parallèle, le jeune public, ils seront invités à participer à de la création sur comment réaliser un carnet de voyage. Le but, c'est de retranscrire tout le travail qui a été fait par le conservatoire, le jardin botanique, les groupes de médiation et moi-même. Essayer de faire un rendu au public le plus naturellement possible, on va dire, comme ici, quoi. Voilà. Dans la nature. Un projet artistique comme un devoir de mémoire qui a pu voir le jour grâce notamment au soutien financier du département. La volonté du département, c'est de mettre en valeur le patrimoine et la création. Ils vont pouvoir utiliser le patrimoine qui ne sont pas exposés et ils vont avoir aussi un travail important à faire avec nos publics. Montrer la richesse que nous possédons en termes patrimonial, en termes d'artistes et de créativité. Les artistes vont avoir une bourse mensuelle de 2000 euros pendant la durée de leur projet. Nous allons aussi leur donner les moyens d'accompagner tout ce qui est besoin autour de leur projet à hauteur de 14 000 euros. Tous les champs disciplinaires sont concernés. Art vivant, art visuel, écriture, conte ou encore le chant. C'est cette dernière discipline qui a été retenue au musée de Villèle sur un projet de Christine Salem accompagnée d'une artiste américaine. Cette résidence-là, c'est un projet particulier que c'est tout ce qui est chant d'esclaves en fait. C'est un échange avec Déborah, Zot à l'époque aux États-Unis, et moi les chansons que moi m'avait écrit sur l'histoire de l'esclavage. Le lieu est hyper magique, on est plein d'émotions, et surtout comme il répète
sur la tombe de Madame des Bassins, donc c'est quand même quelque chose, quoi. C'est une bonne chanson qu'on m'a écrit sur Madame des Bassins, sur l'esclavage. Et le fait de chanter ça ici, ça donne une force, envie de dire, de la paix intérieure en même temps. L'histoire, de toute façon, ne peut pas changer, c'est comme ça. C'est bien de temps en temps rappeler un petit peu. Les résidences d'artistes se situent dans 9 bâtiments de différentes natures. Les 3 musées du département, le lazaret de la Grande Chaloupe, la bibliothèque départementale, les archives, l'artothèque, l'iconothèque historique de l'océan Indien ou encore le jardin botanique des Mascarins. La durée de résidence des artistes est comprise entre 3 et 6 mois. Une première édition qui, au vu de son succès, en appellera de nombreuses autres rapidement. Les résidences d'artistes, ce sont 9 bâtiments du patrimoine local au sein desquels une dizaine d'artistes peuvent créer une œuvre à destination du public. Par cette action, le département souhaite soutenir la création artistique. Il offre une bourse de 2000 euros par mois pendant 6 mois maximum à l'artiste qui investit le lieu, une démarche qui permet aussi de valoriser le patrimoine réunionnais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du département www.cg974.fr.